Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. 19 mois, à peu de choses près, presque 580 jours plus tard, enfin on peut refaire une projection. Refaire une projection, certes, mais pas à n'importe quel prix. Énormément de changements par rapport aux projections d'antan, notamment dues aux problèmes encore et toujours sanitaires. On parle de tout ça tout de suite, mais avant toute chose, transformer cette pièce de psychomotricité en salle, entre guillemets, de cinéma. On va donc se retrousser les manches et se mettre au boulot. À tout de suite. Voilà, ok, c'est tout pour aujourd'hui. On a déjà bien avancé. Derrière moi, vous voyez déjà l'écran. On a installé également les tapis. La sono, c'est ok aussi. On va travailler un peu la déco comme on a l'habitude de le faire. Dans nos soirées, on fait toujours une déco clin d'œil par rapport au film de la soirée. On vous montrera ça à la suite, donc pour nous demain. Mais je vous parlais au début de la vidéo de changements par rapport à nos projections d'antan. Et bon, ben, le tout gros changement, bien sûr, sont les conditions sanitaires. On a reçu le feu vert exactement, même pas 10 jours avant la première. Et quand j'ai dit feu vert, je ferais mieux de dire feu orange, parce qu'avec ce qui est occupé à tomber sur Bruxelles, ben, c'est reparti pour un tour. Enfin bref, il semblerait qu'on ait quand même le droit de faire la projection, mais à quel prix? Alors, port du masque obligatoire pendant toute la projection du film. Lavage des mains à l'entrée de la salle, donc avec l'alcool, bien sûr, distanciation. Et surtout, et pour nous, c'est sans doute le plus triste, capacité limitée à plus de 50%. Donc on avait l'habitude de recevoir ici 100, 110 personnes pour nos tout grandes soirées. On recevra demain, si tout va bien, à tout casser, 50, 55 personnes. C'est un peu triste, mais c'était ça.
où j'ai presque envie de dire rien, c'est-à-dire attendre la fin de cette pandémie, c'est-à-dire attendre encore 5-10 ans, et j'exagère à peine. Enfin bon, voilà, tout cela n'est pas très gai, mais je tenais quand même à le laisser sur la vidéo, parce que peut-être que plus tard, on pourra regarder cette vidéo et se dire, ben ouais, cette fameuse pandémie, on en était là. Et donc, voilà, il fallait que ça reste, sinon ben, le moral est quand même au top, peut-être pas au top, mais bon, voilà, on est franchement très content de reprendre nos projections. Je le dis toujours, c'est pas du virtuel, c'est du réel. Il y a des gens qui viennent assister à nos projections, assister à notre délire avec notre déco, avec notre bar aussi à l'entrée. Ça aussi, évidemment, ils ne pourront plus boire debout. Les familles devront s'asseoir à table pour consommer. Enfin bref, toutes des choses qui vont se passer demain et qu'on essayera de vous faire vivre à travers cette vidéo. En attendant, nous ici pour aujourd'hui, on a bien avancé, on va arrêter pour aujourd'hui, enfin arrêter, je vais me taper une bonne bière avec Andrés, hein, le fidèle compagnon des vidéos, toujours présent avec moi pour ses grands coups. Et donc voilà, discuter déjà pour demain et déjà peut-être pour notre projection de prédilection de toujours, la projection de Noël avec, croisons les doigts, des meilleures conditions sanitaires que celles qu'on devra vivre demain. À demain, enfin à tout de suite pour vous, à demain pour nous, pour la suite de cette vidéo. Ciao. Voilà, rebonjour. C'est les petits moments privilégié qu'on a, on profite un peu de notre petite salle, donc comme vous pouvez le constater derrière moi, tout est prêt, les parents devraient arriver d'ici ben maintenant presque 50 minutes, plus ou moins, et bon ben voilà, on peaufine un peu, on fait les dernières petites retouches, on va se servir également un verre, et bien entendu, on en profite aussi pour faire cette vidéo, donc je vous invite à découvrir notre déco du jour, parce que si vous avez l'habitude de nous suivre, vous savez qu'à chaque projection, on fait toujours une petite décoration, clin d'œil par rapport au film. Et bon, pour ce soir, donc c'est le film Sol qu'on projette, donc vous voyez un peu le film, hein, pianiste, musique, comme son titre l'indique, de la soul musique, jazz. Donc voilà, on s'est un peu inspiré de ça. Et je vous invite donc à me suivre, question de vous présenter un peu la déco de notre ciné-club du jour. Voilà, la déco pour aujourd'hui, ben écoutez, comme on vous l'expliquait au début de la vidéo, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, tout a dû être fait à la quatrième vitesse. On a eu en gros une semaine et demie pour tout préparer, donc on a dû surtout jouer sur l'imagination. Donc voilà, on a mis ici au-dessus toutes les affiches promo de toutes nos soirées depuis qu'on a débuté en 2017. Je pense que c'était le moment de tout les ressortir parce que, bon, ben, 19 mois plus tard, il fallait marquer le coup. Ici, on a rajouté un tableau, je trouve l'idée assez sympa. Des photos en vrac avec les enfants, les parents, les familles sur nos différentes soirées. Et puis donc, le clin d'œil du film. Voilà, évidemment, le clin d'œil du film, ben, un piano, ben, ça a l'air tout simple, seulement si on l'a pas, allez le chercher, le piano. Et puis, niveau biceps, il faut en avoir des fameux pour le déménager comme on l'a déménagé de pièces, enfin, comme ils l'ont déménagé plutôt, parce que on doit à César ce qui est à César. C'est, en vrai, c'est un collègue de travail qui l'ont fait, j'étais pas là.
Et donc, voilà, là, ça ne ressemble pas à grand-chose, même si c'est déjà un très beau clin d'œil au film, mais je vous invite plutôt à venir découvrir plus tard dans la soirée ce que ça donnera vraiment, donc avec les loupures bleues à l'arrière et un ciel étoilé juste au-dessus du piano avec, bien sûr, la photo en rappel. Donc, pour bien en profiter, ça sera pour tantôt. Le bar, Eddie, qui est quand même venu nous rendre visite malgré sa blessure. Toujours motivé, Eddie. Oui, il faut. Et donc, voilà, on attend les parents. Et puis, bon, bah, on essayera de filmer comme d'habitude ce qu'on peut, comme on peut. En vrac et on viendra vous donner rendez-vous ici tout à l'heure pour la conclusion de la soirée où vous pourrez vraiment apprécier à sa juste valeur la petite déco qu'on a mis en place pour ce soir. Ça se fait, on y va. Voilà, je vais inviter ces dames qui sont toujours là, présentes depuis 2017, pour nous donner un grand coup de main. Voilà. Isabelle, un grand merci pour tout. Alors, plus merci aux membres de l'équipe, parce qu'il faut aussi partie de l'équipe. Merci. Marie. Santé, hein? Ouais. Salut. Ah, carrément, salut. Bah non, parce que. On dit je... merci à qui? Non, mais c'est santé, merci. Je vous dis plus merci, vous faites partie de l'équipe. C'est... Merci, santé. Karina? On n'aime pas le champagne ici. Où es-tu? Oh, c'est pour toi. Oh, merci. Présente depuis la première projection. Santé à tous. Santé. Et bravo à vous en tout cas, et merci. Et à vous. À vous trois, à vous quatre, à toute l'équipe qui nous donne un coup de main depuis maintenant 2017, 4 ans. 4 ans. Pourvu que ça dure et qu'on soit plus stoppé dans notre élan. China. Santé les filles! À vous, merci d'être là, les anciens, et accueillir les nouveaux. J'espère pouvoir accueillir les prochaines séances qui auront lieu durant l'année. Pour ce soir, profitez pleinement de cette belle séance que le Ciné Club nous offre ce soir. Petit rappel, par où vous êtes rentrés, vous ressortez à l'entracte.
D'accord? Je vous passe une voix. Je vous accueille à la, au bar pour rafraîchir. En vous rappelant que dans la salle, on ne mange pas, on ne boit pas. Donc, si vous voulez bien garder ceux qui sont passés, de garder pour l'entracte. Je vous souhaite une bonne séance. Par rapport aux mesures Covid, si vous voulez bien, dans les adultes, garder votre masque sur votre visage. D'accord? Merci bien. Profitez. Et belle séance. Et un tout grand merci, en tout cas, au nom du Ciné Club et de l'École des Mondes. Voilà, je vais vous laisser maintenant, comme promis, profiter de la belle déco qu'on a mis en place pour conclure cette vidéo. L'ambiance, finalement, était vachement géniale. Le monde, le public a répondu présent. Je pense que c'était franchement une belle soirée de retrouvailles. On espère surtout, on croise les doigts et on touche du bois, ne plus être stoppé dans notre élan et pouvoir continuer nos projections. La prochaine, au mois de décembre, on le dit souvent dans le Ciné Club, c'est notre soirée, notre mois, notre fête de prédilection. On a vachement d'idées, ça devrait faire une superbe vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, lâchez-nous un gros like, venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout, surtout pour continuer à profiter de cette de ce genre de vidéo, venez rejoindre la famille, on vous attend les bras ouverts. Un gros bisou à tous les amis et à très bientôt. Ciao.